بقطاع التجارة، وعلى هامش الزيارة التي قادت إلى وحدة إنتاجية بالمنطقة الصناعية ببرج بوعريش، كشف وزير التجارة سعيد جلاب أن المواد التي منعت من الاستيراد مكنت من تقليص الفاتورة من 1.3 مليار دولار سنة 2017 إلى 300 مليون دولار سنة 2018، ما مكن من اقتصاد مليار دولار من فاتورة الاستيراد. التغطية كانت لعامر بوغطاية. Les produits qui ont été interdits en 2018, je le dis tout de suite, qui durent la comparaison entre 2017 ou 2018, 2017, les produits qui n'étaient pas encore interdits, je venais 1 milliard 300, 2018, دخلت منها 300 millions. Ça veut dire avec les produits interdits, nous avons gagné 1 milliard, une économie de 1 milliard de dollars. S'il n'y avait pas cette interdiction, la facture qu'on a zédé 1 milliard encore. Donc maintenant que tu ouvres la facture, c'est normal quand tu vois qu'il y a un besoin aux médicaments. Donc la facture, tu as le médicament de 200 millions. Donc on a le 1 milliard. Ce n'est pas figé. Le commerce extérieur, ce n'est pas figé. 1 milliard, tu as la facture 1 milliard. Il y a d'autres postes qui bougent. Le poste dans les CKD pour les véhicules automobiles. Maintenant, il y a une industrie de montage. Donc on a amené fait qu'on a 900 millions même pas. Cette année, plutôt les 7 mois, on a 1,6 milliard de CKD pour les véhicules.